Nous avons date 8 novembre 2018. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le journal TNH pour jeudi. Et pour que nous pour le présenter au grand titre. Premier ministre Jean-Henri Séan visité jeudi 8 novembre, non, Conseil supérieur pouvoir judiciaire dans le local sur route frais. Pendant visite sa chef gouvernement Chita Palé avec membre CSPJO sous dossier Petro-Caribéa avec renforcement système judiciaire. Ministre économie et finance Ronald Décembre démenti information qui t'a fait quoi l'État annoncé l'État ici a monté prix gazlan dans jouyo k'ap vini sous marché. Santé formation Mavalikoute lancé officiellement jeudi. Santé formation ça a plusieurs lignes téléphoniques ak yon ligne électronique qui pourrait permettre ministère haïtien qui vivent non pays étranger recevoir doléances diaspora haïtien et puis satisfait besoin yo. Ministère éducation nationale formation professionnelle intercollé avec banque caribéenne développement lancé jeudi 8 novembre nan projet KP. Projet ça visé renforcer qualité éducation dans le pays. Et ministère affaires sociales et travail a annoncé yon ensemble mezi pour renforcer différents programmes social gouvernement dans intérêt population. Et puis pour pipiti 11 moun a perdu la vie dans yon fusillade hier soir mercredi 7 novembre dans yon discothèque dans sud Californie dans pays États-Unis. Rete avec nous amis TNH titre comme pilote sujet pour développer à soya dans journal. Bonsoir tout le monde. J'ai noté annoncé dans le cadre de visite dans différentes institutions qui concernaient dans le dossier Petro-Caribéa. Premier ministre Jean-Henri Séan, Chita Palé, jeudi 8 novembre, avec le Conseil supérieur pouvoir judiciaire dans le local sur route frais. Chef gouvernement fait connaître discussion et pas Chita seulement sur le dossier Petro-Caribéa. Il était abordé l'autre sujet qui gagne avec renforcement système judiciaire. N'a pas invité au suivi un extrait dans le micro Anne-Marguerite Auguste avec Laure d'Arly Jean-Jacques. Dans le compte que le projet fait avec le CSPJ, dans le cadre global des questions relatives aux besoins de renforcement de notre justice, toujours dit, il y a une séparation des pouvoirs que réclame la démocratie. Mais la meilleure séparation des pouvoirs, c'est l'harmonie entre les pouvoirs, sans ingérence dans les pouvoirs, sans empiétement dans les pouvoirs. Dans des structures instructives pour tout le monde. Côté que nous posons, on dit le problème. Il y a un peu de monde qui croit que c'est seulement Petro-Caribé. Évidemment, il y a Petro-Caribé. Nous n'avons pas qu'à faire entrer l'hypocrisie pour l'atteindre là, pour que ce Petro-Caribé va poser. Mais il y a beaucoup plus que ça. Songez. Nous avons un budget qui est pour sortir et dans le budget, nous parlons en pile de composants budgétaires. Nous parlons de apaisement, nous parlons de création d'emplois, nous parlons de relance de l'agriculture, relance de la production nationale et nous ne pas parler de apaisement dans nos pays sans que nous ne parler de la justice. Et la justice, c'est le premier vecteur de l'apaisement. Nous venons justement nous poser problème là et nous garder budget même, côté budget la justice là, pas refléter ça nous-mêmes nous voulons faire de la justice. Pas refléter ça la justice là, nous voyons nos pays, nous connaissons qui est fragile comme ça. Nos pays qui ont des grands piles corruption, grands piles contrebande. Donc il n'est pas normal que le budget de la justice soit déjà mis. Donc nous posons pile problème. Évidemment, nous arrivons à parler de questions Petro-Caribé. Nous voyons pour le livre, la compilation des résolutions au CSPJ. Mais ça me plaît tout pour comprendre, c'est que le CSPJ est le même qui coiffe la justice. Donc, si il y a des juges qui veulent gagner pour traiter la question de Petro-Caribé, commissaire gouvernement, mais c'est normal que la question vienne et nous débattons un peu de questions sans entrer dans la trajectoire judiciaire du dossier. Mais nous étions seulement imbus que nous liés, nous toutes, les faiblesses de notre justice, nous tout connaissons à tous les niveaux. Et bien, nous parler de lit, mais nous parler surtout de renforcement des possibilités, des besoins de la justice. Et nous dire à tous les niveaux, nous parler de même le logement, où, là où se trouve le tribunal, là où se trouve le palais de justice que nous avons, avec
maintenant les colons et les lions. Nous t'avons aimé ça. Là, cet espace qui impose le respect, eh bien, nous parlons d'un pile bagage. Est-ce que c'est côté tribunal là, est-ce que c'est là pour tailler? Est-ce que c'est là pour t'alloger? Distribution fait de l'IA. Donc nous parlons d'un pile bagage. Et évidemment, nous parlons de pétrole. Et stabilité, c'est un moyen pour garantir développement d'un pays. Parole, Premier ministre Jean-Henri Séan, qui a annoncé qu'il y a des mesures à prendre pour combattre l'insécurité sous toute forme. Il a cité intervention à la police dans le village de Dieu qui expliquait qu'il n'y a pas été bras croisés devant Zaka insécurité. Le Premier ministre Jean-Henri Séan a annoncé tout qu'il y a des mesures à prendre pour fête fin d'année, an, pour permettre population à étrangers qui a entré dans l'époque ça, passer fête dans la paix. N'invite au suivant extrait, dans le micro, Anne-Marguerite Auguste, à Laure d'Arry Jean-Jacques. Nous tous, ces Haïtiens, nous sommes censés, et nous avons tous besoin d'un pays qui est capable de fonctionner comme n'importe quel pays. Un pays qui permet des gens de sauter. Un pays qui protège nous pas de risque de chambardement ni de chaos. Un pays qui protège le dialogue entre les différents strates de la société et entre tout le monde dans la société. C'est certain qu'il est bon, que la population manifeste, que le peuple a manifesté, que le monde revendique, que le monde réclame ce à quoi il a droit. Il est bon que les manifestations faites. La seule chose qu'on dit, il faut que le peuple pacifique. Il faut que la police prenne disposition pour ne pas quitter aucun débordement fait, pour ne pas répondre à aucune provocation. Et bien, les mesures sont prises et nous sommes en train de dialoguer avec tout le monde. Nous sommes en train de parler avec tout le monde, de prendre les mesures sociales, les mesures politiques et évidemment les mesures d'assainissement, d'apaisement. Nous prenons toutes mesures pour que nous ne pas tomber dans un chaos. Je ne crois que personne qui a aucun profit, personne qui est sérieux dans le pays, a bien profit dans le chaos. Nous menons notre travail pour que tout le monde comprenne. Les problèmes de ce pays doivent se résoudre dans le dialogue permanent entre nous-mêmes les Haïtiens. Nous avons un espace de dialogue. Côté que, il faut que nous continuions à parler l'un avec l'autre. Même à monde qui va détendre, il faut que nous parlions avec eux. Eh bien, dans le gouvernement, ça a été de ma conception, et aussi de celle du président de la République. Si c'est aller dans un remaniement qui est capable de permettre que nous jouions un apaisement, mes amis, pourquoi pas? Tout aucun sacrifice mais au-dessus de l'amour que nous avons pour le pays. Quel que soit ça qu'on fait, pour que Haïti, jeudi, ait un apaisement, pour que tout citoyen joigne une sécurité, pour que nous-mêmes vivons dans le pays, côté pays ça, ne pas inspirer monde la peur, pour que le monde ne pas paniquer monde, pour que le monde ne pas panique, pour que tout le monde qui senti à l'aise, qui évolué, pour que le monde circule bien, sans aucun problème, pour que la vie nocturne capable de reprendre, pourquoi pas. Quel que soit le sacrifice que vous faites, la folle, faites. Sénateur Ouessla, maître Jean-Renel Sénatus qui tabaye, disons, lit sous dossier Petro-Caribéa, dit qu'il souhaitait lumière faite sous dossier ça, et puis permettre la justice faire travail li, sans force côté. Président Commission Justice et Sécurité Grand Cora, sénateur Jean-Renel Sénatus qui a participé dans l'émission Mise au point sous Télévision Nationale d'Haïti jeudi 8 novembre, lancé un appel à l'opposition pour pas utiliser violence, et puis quitter la justice fait travail ensuite. Je dis à même commissaire gouvernement non communique non informé, c'est lui qui dit nous vont enquête lui-même et puis la pédérer les monde devant paquet. Moi même lui-même rivé mettre mandat d'amener derrière moi. N'était pas là avec oulala de mon principe général du droit qui dit non bis in idem. L'homme mettre mandat d'amener derrière moi yo. Consent flagrance en tant que commissaire gouvernement qu'on nous font acte illégal. Et acte illégal là, pas jouer en faveur pour ces Petro-Caribéa. C'est comme si on semait épine, on mettait piquant sur route Petro-Caribéa pour ne pas réussir. Mais quand ça, docteur, t'as le fait back. Il doit faire back. Et ministre doit dire le fait back. Ministre Ali doit dire le fait back. C'est quitter juge d'instruction au travail. Il y a deux dossiers au niveau de la cour, du cabinet d'instruction. Moi, même commissaire Oknam Kalamedameus qui dit la instruit Petro-Caribéa, mais juge Morin qui a un dossier dans le sous Petro-Caribéa tout. C'est Marcelo. Et qui est Marcelo là-dedans, qui est Gassan là-dedans, qui est tétouillé, qui est bien dans le paquet. Est-ce que le fin de travail? Je me dis où? Est-ce que le juge Morin fin de travail? Juge Morin, vous voyez le bali pour réquisitoire, qui est bien dans le paquet. Ok. Déjà normal.
Je te dis, dans un poste que je fais, attention à enlever ma bouilla. Parce que dans le Petro-Caribé, sa population, nous connaît, il y a un volet qui a pris les barres volées tout. Il y a des machines machine Petro-Caribé, non, mais qui a botté de l'eau pour tout le monde qui est dans la rue. Comme Petro-Caribé, il y a botté de l'eau pour tout le monde qui est dans la rue. Donc, volet qui a pris les barres volées. Il faut que la justice vienne pour dire qui est-ce qui vole, qui est-ce qui va voler. Dans le cas de Petro-Caribé, il y a des gens qui volent, on est au bas. Puis, nous avons connu le ministre de l'économie et de la finance, Ronald Desembre, démenti l'information qui t'a fait quoi. Il t'a annoncé, les Haïtiens a monté prix gaz dans le jour où Cap Vigneau sous marché. Ministre Desembre qui t'a porté précision sous grand orientation budget 2018-2019 là, fait qu'on n'est pas aucun monde qui a prouvé il t'a fait une déclaration sous montée prix produits pétroliers en Haïti. Ministre économie et finance là, Ronald Desembre t'es dans micro John Herbie Cassius à Cafresnel Toussaint. Il n'a jamais été question de ça. Et Bral dit ça me dit. Je te dis en tout premier lieu que, et c'est ça que je souhaitais, que pour que je ne parle pas de tenue, il était spécifiquement porté sous le budget de la République, là, budget 2018-2019. Là. C'était d'abord une séance de travail qui était organisée et qui pouvait permettre que tout le monde appréhende de ça qui est dans le budget. D'ailleurs, c'était les grandes orientations du budget que je t'ai présenté. Je t'ai profité pour me présenter tout cadre macroéconomique. Je t'ai profité tout pour me présenter les indicateurs macroéconomiques. Pour me dire que nous avons une situation de fragilité, notre situation de précarité en matière de finances publiques. Et ça me dit. On te dit tout que nous enregistrons un déficit budgétaire que nous n'avons jamais enregistré dans le pays. C'est ça me dit. Nous avons révisé dans le domaine de la Bayo, on te dit que nous avons révisé à la baisse les ressources qui pourraient financer le budget 18-19 là parce que dans le budget que tu as déposé avant juin, tu as 20 milliards de gouttes de recettes pétrolières qui n'est pas capable de percevoir. Ça veut dire que c'est zéro taxe en termes de recettes pétrolières. Ça veut dire que tu n'as pas de perception qui t'a fait sur les recettes pétrolières. 20 millions de gouttes, ça, moi, j'ai bien expliqué, je t'ai dit que dans le budget qui est prêt à le déposer là, gon gap de 20 milliards de gouttes, mais moi te chita avec l'administration fiscale yo pour que nous diminuions gap là de 5 milliards de sorte que gap là passé de 20 à 15 milliards dans le budget. Moi te dit tout que gap ça te reparti entre les différentes institutions, en dans l'État. Budget, son budget à la baisse, l'ivinier. Budget pas capable de gagner, même enveloppe qu'il était gagné avant, en termes de puisque recette l'a diminué, à cause du fait que recette pétrolière n'a pas faire, eh bien, recette l'a diminué, dépenses viennent diminuer tout. Il me dit que dépenses qui étaient diminuées, c'était dépenses qui étaient portées, qui étaient concernées achat de biens et de services. Et c'est toute administration, tout organisme qui en dans la maison centrale là, qui a supporté ben ça. L'autre point d'avancer, moi t'ai dit que l'État a subventionné gaz là. Et c'est là qui point névralgique là. Moi dit l'État a subventionné gaz là. Mais subvention n'est pas à joindre masse peuple là. Subvention, son subvention car les jeunes ont un petit point moun. C'est yo qui bénéficiaient de subvention gaz là. D'ailleurs, yo dit que côté m'te dit on fois que eh ben gaz va l'augmenter de temps à temps. Côté m'te dit gaz va l'augmenter de tel montant tel. Bah chambre dit bah comme ça.
poser une problématique, mettez problématique là à la sagacité, à la réflexion de tout le monde dans la société là, pour comprendre. L'autre sujet dans le journal, le ministre des Affaires sociales et du travail, là, Marie-Élise Abrisson-Gélin, accompagnée du directeur général Fonds Assistance Économie et Sociale, Charles Châtelier, directeur Caisse Assistance Sociale, Rodley Simon, pour tes précisions sur mise en place différents programmes sociaux ministère a fait pour nouvelle année fiscale. Là. Jeudi 2 novembre, 8 novembre, le ministre des Affaires sociales, Marie-Élise Abrisson-Gélin, fait qu'on ait environ 47 sur 71 restaurants communautaires qui déjà a fonctionné dans la région métropolitaine. D'après le ministre, le gouvernement travaille pour renforcer l'action directe programme social dans le pays pour toucher plus de monde. Actuellement, nous avons dans l'aire métropolitaine 47 restaurants qui ont fonctionné à plein rendement. Nous avons gagné 775 restaurants, ou nous avons dit 775 restaurants, parce que l'État est allé sur tout le territoire. Là. Mais comme l'exercice fiscal a fini, et nous à peine à recommencer, bien que le budget nous pas voter, mais nous recommencer puisque le président de la République a insisté pour nous adjoindre la population et pour nous porter tout support possible pour eux. Donc nous, actuellement, dans Port-au-Prince, là, et Pétionville, Frère, nous gagnons 47 restaurants qui ont fonctionné. Et nous avons intention de continuer davantage. Au fait, dans Port-au-Prince, nous avons un minimum de 71 restaurants communautaires. Dans le côté économique, on programme que y les crêpes. Crêpes, c'est caisse populaire d'épargne et de prêt. Nous gagnons depuis quelques années qui ont fonctionné. C'est un programme côté prêter des artisans de l'argent pour renforcer ça yo gagne. Nous gagnons Ti Maman Chéri. Ti Maman Chéri, c'est un programme qui allait vers maman petite qui dans l'école. Ti moun yo l'école et là y a fait contrôle dans l'école en nom Ti moun qui gagne, yo bay chaque maman ça yo un chèque. Et ceci se fait 4 fois l'an. Yo fait à la rentrée scolaire, yo fait à la fête de fin d'année. Ensuite, nous faisons la Pâque et ensuite à la fête des mères. Nombre ça, normalement, c'est plus que 150 000. Après un temps de nettoyage, il vient passer à 120 ou 121 000. Ensuite, il vient à 28 000. Et jeudi, à date jeudi, pas jeudi, à hier, il passe à 57 000. C'est un nombre qui a augmenté parce que nous avons des enquêtes que nous menons à l'école. Côté mondial sur place, à vérifier le nombre de timoun et le nombre de mamans qui gagnent à l'école. Parce que c'est une enquête qui a continué pour nous arriver à 120 000 ans que le président a mandé. Processus ça que nous avons mené actuellement, l'a fini le 30 novembre. Et directeur général Fonds Assistance Économique et Sociale, Charles Châtelier, qui t'a porté précision sous programme Ti Maman Chéri, hein, fait qu'on ait environ 57 000 mamans qui inscrit dans le programme. Si l'objectif du programme, ça, c'est comptabiliser 120 000 bénéficiaires, Jean-Président Jovenel Moïse Mandel, directeur de l'assistance sociale, Rodley Simon, sous Bopal, annoncé qu'il prêt à mettre sous pied le programme Métier MC Avenim, qui visait et des jeunes dans le domaine de formation. Le programme, ça, pour le déraper dans le jour qu'à Vinilayou, avec environ 500 jeunes. En suivant. Données, si maman chérie, c'est des données qui dynamique, yo pas statique. Yo appelé pour yo évoluer au jour le jour. Les mises en te parlé, les mises en te gen donné dans mes qui te dit, qui te gen tant chiffre. Journée aujourd'hui, chiffre yo évolué. Parce que l'op parle de paiement, nous gen brigade qui sous place, c'est chaque jour. Brigade yo aller, pour brigade payer, pour brigade distribuer coupon, pour payer. Mais, n'a privé non situation côté que depuis grand maman qui touché, nous même en FAS, nous gen moyen pour nous voir que maman touché. Parce que nous on live avec compagnie qui a payé maman pour nous. Nous on live avec elle. Jodi a, hier nous avons 57 000, jodi a nous passé à 60, 61 000. Jusqu'à ce que au 30 novembre, dernier jour, côté que nous avons fini distribuer coupons et pour nous finir payer, d'ici 3-4 décembre, toute maman qui n'a pas recevoir comme nous te mettez pour yo, nous avons dit maman ça yo, yo parle encore.
Nous pas dans programme nous pas remplacer par d'autres mamans que nous pas faire recensement dans même l'école que nous t'aller nous pas joindre maman nous gagne timon dans l'école n'a faire recensement dans même l'école ça pour nous compléter base de données à travers les restaurants communautaires nous pas grand quantité de jeunes dans chaque zone yo qui gagne pour apprendre soit dépannage en chez téléphone jeunes apprendre poser un bloc jeunes apprendre poser céramique par approche par compétence de 90% pratique 10% théorie pour rapidement pour jeunes ça au lieu que là le camper devant boîte l'état pour demander 500 pour demander 1000 gouttes mais jeunes ça rapidement capable gain énergie outillé assez pour que capable faire 500 gouttes ça pour capable besoin famille besoin qui côté la formation ça et qui de l'apprentissage n'a pas de formation bayo la caillou donc c'est aux dans nos zones côté que gain restaurant communauté on a bay chaque jeune ça on place par jour donc il a bénéficié place choa et puis ensuite n'a tout fait formateur à venir joindre pour capable bayo formation la caillou. Et citoyens qui vivent à travers divers quartiers dans la zone métropolitaine continuent à recevoir place chaud dans le cadre du programme Corépeup Administration Moïse Séan. Mercredi 7 novembre, non, plus passé 3000 places chaudes distribuées dans le quartier Village de Dieu à Claire-Saline. Winel Jean-Louis à Cuisson Idoré a présenté nos papiers sous sa rentrée. Distribution place chaud a continué dans plusieurs quartiers dans la zone métropolitaine. Pour une deuxième fois, Fonds Assistance Économique et Sociale. Distribué mercredi 7 novembre, nan, plachou ba habitant ka vive dans le village de Dieu, à travers cantine mobile, initiative gouvernement mette sous pied qui visait accompagner moun ki pi faible yo. Toujours mercredi 7 novembre, nan, citoyen ka vive dans le quartier La Saline, te gen chance recevoir plachou dans le cadre même programme kore pep la. Citoyen ka vive dans le quartier sa yo, salye initiative sa, pendant yo mande responsable yo, continue à accompagner moun ka vive dans le quartier populaire yo. Ministre des Affaires sociales, Marie-Élise Brisson-Gilin fait qu'on est une disposition à l'État prend pour accompagner les ouvriers dans le secteur textile. Là. Ministère by restaurant qui dans l'espace Sayo, subvention à manger, gaz propane pour diminuer le prix à vendre aux ouvriers au manger. N'invite au suivi un extrait. Au niveau des ouvriers dans les parcs industriels, particulièrement dans le domaine textile. Là. Nous, en général, c'est eux-mêmes qui toujours gagnent plus de difficultés et parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que l'autre. Et il est facile pour eux pour faire grève. Et là, ça, non seulement ils perdent du corps, mais le secteur est carrément fermé. Ils ont des demandes que ils font, sur lesquelles nous agissons déjà. Ils ont gagné, ça y aurait les IRIA, impôts sur le revenu individuel. Ils ont commencé à taxer à partir de 60 000 gourdes. C'est-à-dire que de 0 à 59 000 gourdes, ils n'ont pas pris de taxe sur eux. Mais à partir de 60 000 gourdes, ils ont pris de taxe sur eux. Ben, elle avait créé un problème, puisque à partir de salaire minimum, non, chaque année, le salaire a augmenté. Ils ont dit que plus le salaire a augmenté, plus ils n'ont pas rien dans la main. Donc, année ça, il y a un budget, côté que, au lieu que vous taxez à partir de 60 000 gourdes, vous prenez le taxe à partir de 150 000 gourdes. Ce qui fait que les gens qui bénéficient de l'augmentation de salaire, si vous n'avez pas arrivé à 150 000 gourdes, vous n'avez pas payé un taxe, vous n'avez pas payé un impôt sur le revenu. Parce que l'ité a un autre problème. Parce que, malgré. Nous avons parlé de ça. Le ministre des Finances a parlé de ça l'année dernière. Mais malgré tout, usine qui gérée par étrangers, ils ont continué à prendre la quand même, parce que ont dit pas de gon en papier, pas de gon note, pas de gon loi qui te dit que pour pas prendre taxe. Cependant, usine qui gérée par haïtien, ils ont pas de prendre taxe là. Parce que usine étrangère, leur pas de payer taxe là, leur arrivé dans DGI, ils ont con soit pas renouveler patente, soit pas ce qui pas ça te pas permettre yo prendre commande ni faire expédier matériel que yo fait. Donc année ça entente l'en fait déjà, même si loi de finances n'a pas qu'au voter dans parlement, gon entente qui joigne entre ministère finance et DGI qui permettent que même si loi pas qu'au sortir, ben yo pas pénaliser usine gérée par étrangers.
Maval écoute, c'est un centre d'information responsable d'un ministère haïtien qui vit dans le pays étranger, inauguré jeudi 8 novembre dans le local ministère. Centre d'information SAG, plusieurs lignes téléphoniques avec une ligne électronique qui pourrait permettre au ministère de recevoir doléances diaspora haïtien et puis satisfaire besoin. En suivant, compte rendu avec Rodney Doléan et Frisnel Toussaint. Centre information Tounefsa pral renforcer connexion ministère ak haïtiens k'ap viv dans divers pays à travers monde lan et puis répondre ak ensemble besoin yo genyen. Il s'agit pour nous au sein du ministère d'un projet qui accorde une importance particulière à cette catégorie d'haïtiens qui comme tous les autres haïtiens doivent pouvoir bénéficier de tous les services disponibles dans l'état d'Haïti. La diaspora doit être apprendre de manière active dans tous les domaines qui concernent Haïti, le pays de la diaspora. C'est en effet sur cette base que nous lançons aujourd'hui le projet Mavalico, lequel s'adapte justement à la politique de l'État à travers la mission du MAV, qui, comme vous pouvez le constater, s'attelle à la tâche pour la rendre effective. C'est un espace qui va répondre aux différents besoins d'information et d'orientation des Haïtiennes et Haïtiens de la diaspora. Conseil général ambassade pays États-Unis, Scott Boswell, qui est une parmi diverses personnalités qui était présente dans l'activité inauguration SAA, félicitait l'initiative SAA pendant qu'il renouvelait l'engagement ambassade là pour continuer de travailler en collaboration avec le ministère. J'espère que ce centre servira comme une entité très utile pour les Haïtiens vivant à l'étranger, de revenir, investir et agir pour le bien-être de ce pays. À l'ambassade des États-Unis, un des plus grands devoirs pour moi, pour mon équipe et pour l'ambassade en général, c'est d'aider nos citoyens qui se trouvent en Haïti. Et de plus en plus souvent, en fait, c'est des citoyens qu'on partage, qui sont de double nationalité. On les assiste avec toutes sortes de questions, que ce soit renouvellement de passeport, enregistrement des enfants qui sont nés ici en Haïti, parfois les cas d'urgence, parfois les cas légaux. Nous sommes très très heureux d'avoir avec ce centre encore une autre possibilité de travailler ensemble avec Madame la Ministre, la MAV et le gouvernement d'Haïti. Pour Kounia, il y a plusieurs lignes internationales qui sont disponibles pour diaspora haïtienne qui vivent dans l'État Miami, Boston, New York, et pays Canada, Brésil, Chili et puis République Dominicaine. Pour clôturer l'activité, le ministre haïtien qui vivent dans pays étranger, remet Naomi Osaka, yon plaque honneur et mérite et puis yon tableau Fanila Hakim réalisé. Jeudi 8 novembre 2018, ça marque tout 24e anniversaire existence ministère haïtien Cap Vive l'autre bord de l'eau. C'est moment pour nous observer une pause commerciale. Restez avec nous, nous avons information pour vous. Et nous poursuivons avec information. Merci pour fidélité et attention. Ministère de l'Éducation nationale avec la formation professionnelle, notre collègue avec Banque Caribéenne Développement, lancé jeudi 8 novembre dans le projet KEP. Projet ça vient appuyer un autre projet qui portait nom P, qui visait renforcer qualité éducation dans le pays. Activité ça a été occasion pour participants de brasser l'idée sous activité avec ligne directrice mise en œuvre projet A. Nous invitons à suivre un compte rendu avec Rachel Saint-Fort et Laure Darly-Joujac. Dans l'idée pour porter réponse à divers problèmes secteur éducatif là fait face dans pays a ministère éducation nationale la formation professionnelle mettait campé projet pour une éducation qualité en Haïti PEC. Menor jeune remercier Bourad l'agent Haïti joine bon côté Banque Caribéenne Développement directeur général MUNFPA fait qu'on est projet ça chita sous 5 axes. L'axe numéro 1 c'est amélioration de la qualité de la capacité des institutions au niveau de la gouvernance par la redéfinition et le pilotage d'un système d'assurance de qualité
le développement d'un système de formation relatif à l'éducation, le renforcement des pratiques de planification et de budgétisation. Axe numéro 2, supporter l'accès à une éducation de qualité au niveau du fondamental dans les milieux défavorisés et vulnérables pour l'amélioration des conditions d'apprentissage ainsi que par la distribution de plats chauds quotidiens aux élèves avec des suppléments nutritionnels. Dans le troisième volet qui gagne pour avec l'augmentation offre scolaire dans le niveau fondamental, responsable prévoit construire une soixantaine d'écoles qui respectent les normes parasismiques d'après le coordonnateur projet PECLA, Chiller Caton. Le projet KEPLA, on dit démarrer déjà depuis un an, on fait lancement. Ça, c'est renforcement. BDC, déjà dans la première partie, financement par là, il y a des écoles comme la gestion communautaire qui nous financent. Par exemple, une cité Kek qui est assez éloignée, tant que la brésilienne. Hier, nous étions allemands, l'école, la brésilienne, qui est sous route, la vallée de Jacmel. Il y a les 60 autres écoles, donc, il y a même le ministère a gagné pour être capable, fournir liste l'école Zao. Il faut l'identifier. Il faut l'identifier l'école Zao, mais il faut respecter les critères ça. Critère qui c'est 40 à 45 minutes de marche. Divers partenaires qui supportent le pays d'Haïti dans le cadre du projet A promettent pour continuer à piéger fort qu'a fait pour améliorer le résultat du programme SA. Le souhaité projet améliorer considérablement la qualité et accès à l'éducation base sur tout côté qui est vulnérable. The US 16 million grant which funds this project. La subvention de 16 millions de dollars américains alloués au financement de ce projet is part of a wider program of support for enhancement of basic education in Haiti. S'inscrit dans le cadre plus large de programme plus vaste de soutien à l'amélioration de l'éducation de base en Haïti. The components of the project are aligned with those of the World Bank. Les composantes du projet sont alignées sur celles de la Banque mondiale, which is the primary financier of this program. Principal bailleur de fonds du programme en question. The project will support implementation of key elements of the government of Haiti's mandate for education. Le projet appuiera la mise en œuvre d'éléments clés du mandat du gouvernement haïtien en matière d'éducation. By increasing access to quality education through the availability of additional publicly funded places. En améliorant l'accès à une éducation de qualité grâce à la disponibilité de places supplémentaires financées par des fonds publics. Dortelis family. Enhance non-public support. Renforçant l'aide non publique. And improve capacity for school sectors leadership and instructional effectiveness. Renforçant capacité de leadership, efficacité pédagogique des écoles. Permettez-moi ensuite de vous féliciter et de féliciter le ministère pour les succès dans l'amélioration du taux de scolarisation dans les dernières années et surtout pour cette ambition nouvelle qui nous réunit aujourd'hui d'engager ce virage vers la qualité. Nous pensons que c'est effectivement extrêmement important et nous sommes extrêmement heureux de pouvoir contribuer à cet objectif ambitieux du ministère au profit des enfants haïtiens. Responsable du ministère de l'Éducation nationale, il fait qu'on a une mission périodique qui a supervisé le projet pour garder l'état d'avancement. Montant total projet A, c'est 18 millions de dollars américains. L'État haïtien a bien pour bail 2 millions d'après le coordonnateur projet PECLA qui expliquait projet A pétané sous 3 l'année. Et Commission intérieure collectivité territoriale Chambre députée a rencontré jeudi 8 novembre avec ministre intérieur Jean-Marie Reynaldo Brunet, avec directeur général ministère Fidnel Monchéri et puis directeur service immigration et émigration Ancienne Julie Joseph. Parole sous affaire vente visa dans ministère intérieur suivi en sous frontière Haïti à Saint-Domingue dans cadre contrebande. Tenant en discussion yo, commission en fait diverses recommandations avec ministre intérieur pour corriger toute bagaille qui a mal marché. Deus Déronette, dans micro, Fédéral Confident, à Wilson Idori. Suite à la rencontre du 8 novembre 2018. Pour pallier à la problématique qui paralyse le bon fonctionnement du ministère de l'Intérieur, la Commission intérieure
collectivités territoriales et décentralisation fait les recommandations suivantes. Le ministère de l'Intérieur doit se conformer aux prescrits de l'article 12 du décret du 17 mai 1990 fixant les règles appelées à définir l'organisation et le fonctionnement du dit ministère. Le ministère doit prendre toutes les mesures de droit pour poursuivre et punir les fraudeurs conformément aux lois du pays. 3. Vu la situation lamentable de l'organisation, le fonctionnement et le financement des collectivités territoriales, la Commission recommande au ministre de renforcer les activités de formation pour ces dernières, tout en mettant un accent particulier sur les CASEC et les communes de troisième classe qui sont les plus vulnérables. Constituer une commission d'enquête permettant de faire la lumière sur la situation de gestion catastrophique des frontières et de produire les rapports nécessaires sur le bien fondé des cas de corruption dans la question de formation à l'étranger destinée aux collectivités territoriales. Prendre des mesures administratives contre le coordonnateur national des frontières et les ou les comptables nommés de façon irrégulière au poste d'immigration aux frontières et de mettre l'action publique en mouvement contre eux. Dissoudre la brigade frontalière irrégulière et d'œuvrer au renforcement des institutions étatiques destinées à cette tâche, par exemple la brigade douanière, la police nationale d'Haïti, l'OAVCT et l'immigration. Ministre intérieur, collectivité territoriale, la Jean-Marie Rinaldo Brunet, dit au préalable mettre en application ensemble recommandation commission intérieur affaires yo. Ministre Jean-Marie Rinaldo Brunet dit ministère a déjà pris mesure administrative contre coordonnateur frontière qui gagne mauvais accusation sous doli non affaire contrebande. N'a invité au suivi un extrait dans micro Fedner confident avec Wilson Idoré. Nous rencontrer avec les parlementaires, ils ont posé nous des questions et il y a deux points et nous élucider avec eux. Mais il y a deux points qui étaient vraiment dans l'ombre et que nous avons pour nous retourner là et pour nous venir élaborer sur eux pour nous peut-être porter plus de lumière pour les parlementaires. Mais et en fin de compte, ils ont fait nous deux recommandations que nous avons là. Et que au banou que nous pourrions regarder dans quelle mesure nous pourrions effectivement appliquer mettre recommandations ça et appliquer yo. C'est de formation que nous te gagné pour et que direction générale la direction générale lui-même te gagné pour élus locaux yo a dit et magistrat CASEC AZEC et par rapport à ça et surtout sur les protection civile. Et par rapport avec et formation qui a commencé, et direction générale là, t'es dit que il va élargir cadre là justement pour nous qui gens qui a fait l'autre monde bénéficier de formation ça parce que c'est des volontaires et que il va faire volontariat et que le plus souvent c'est monde ça aucun besoin de que va dans quel cadre du cas peut-être élargir. Dans ce sens ça, il y a une impression bah la devine gain et petit problème là dedans question ça. Donc il y a des monde qui profiter et de situation ça pour faire de bagages personnels. C'est pas ça, c'est par rapport à ça qui fait que et il dit que tu gagne trafic et de vente de visa. Et je pense que le directeur général là assez lucide sur ça parce que lui même dans question et qui concerne lui personnellement, il dit ça, il dit gagne deux monde qui était dans effectivement dans question ça que qui dans prison que arrêté et gagne deux monde qui a fait objet d'enquête. Pour voir qui gens peut-être et moun sa ou te impliqué dans la question fraude sa ou pour voir si y a arrêté yo et mettez yo dans prison. L'autre sujet, plateforme nationale secteur populaire haïtien, plan SPA, félicité police nationale d'Haïti pour disposition qui prend pour établir l'ordre dans la région métropolitaine. Non, président plan SPA, professeur Dieudonné Lérisson fait appel à gouvernement CEAN pour créer travail dans la zone sa ou dans intérêt population. Professeur Dieudonné Lérisson, t'es dans le micro, Midra Emilias avec Robert Enriché. N'a demandé la justice avec la police pour continuer à faire travailler tout terroriste ça yo, faut que traquer yo parce que c'est yo même qui besoin utiliser dossier Petro-Caribéen pour faire coup d'état, pour faire déchoucage et pour détruire
bien ak vi moun an da peyi a. La justice prend responsabilité. La police continue prend responsabilité. Pendant avons un gros coup de chapeau bah la police nationale d'Haïti qui commence à mettre la paix dans le quartier populaire pendant y a traqué tout bandit qui a terrorisé même secteur populaire. N'a demandé au gouvernement séant sans perdre du temps pour mettre dans le quartier populaire dans le quartier défavorisé travail à haute intensité de main d'œuvre qui retoilette yo qui recanal yo qui ravine yo mettez bay peuple là travail une façon pour terroriste yo pas gain entrer encore dans quartier populaire yo. Commission justice et sécurité Sénat attendait jeudi 8 novembre un candidat qui voulait vine fait partie juge coup cassation enquête appel à candidat commission en effet pour compléter siège vacant yo sénateur sénatus dit y a travail en volontaire pour présenter rapport au bail bureau pour assemblée Sénat capable décider yo excellent micro Fedner confident à Wilson Idoré. On était dans un processus qui était commencé déjà. Nous avons produit un rapport à l'Assemblée sénatoriale, nous avons battu tout candidat pour nous remplir tout siège vacant qui était 6 sièges. Maintenant, nous avons voyé l'Islam à le président qui a 12 postulants là-dedans. Le président a dit pour question de sécurité institutionnelle, pas qu'à nous mettre en deux temps. L'attente que nous finalisons le processus. Depuis tantôt, deux mois, nous avons lancé appel à candidature pour les gens qui veulent venir porter dans ces poussières vacants au niveau de la Cour de cassation. Nous avons pas assez de monde, assez de candidats. Nous avons obligé d'ajouter quelques jours toujours pour nous être capables de gagner assez de candidats pour nous remplir parce que la constitution fait une obligation pour nous voyer trois personnes par siège. Or, nous avons gagné six candidats pour nous voir le président. C'est un cas de travail ça, nous avons reçu 9 candidatures. Nous avons utilisé les services de jeunes enquêteurs qui étaient repartis sous 3 départements en d'un pays pour mener enquête sur les gens qui sont candidats. Nous avons produit des rapports sur chaque candidat. Il y a un seul candidat qui a gagné un approfondissement que nous avons fait de travail avant même que nous produisions le rapport à l'Assemblée sénatoriale aujourd'hui, qui est un candidat qui a été attaqué dans la radio pour dire qu'il était un acte de corruption, quoi qu'il dit nous, et nous avons un rapport à nous avons rétracté par la suite. Maintenant, nous sommes tendus auditionner tout candidat. Nous avons monté tableau pour nous présenter l'Assemblée sénatoriale. Et d'ici cet après-midi, que les sénateurs ont fait valider le travail de la commission en fait. Nous-mêmes, au niveau de la commission de justice, nous avons dit nous finis avec le processus cours de cassation. Le travail nous censé terminer. Et là, après, nous avons le président avec CSPJ pour finaliser le processus là. Et puis, la fois qu'on a mairie pour le prince distribué 12 ventilateurs poubelles avec sachets plastiques pour Fatra dans l'école municipale Cal Brown, dans l'idée pour qu'il y ait un environnement propre, responsable pédagogique l'école municipale Cal Brown, non, Dauphin Jean Wisnel, dit il est content pour l'initiative ça. Mairie a mis sous pied, il espérait responsable continuer sous même lancée dans toute l'école non capitale. Dauphin Jean Wisnel, t'es dans le micro, Stéphanie Charles avec Lydie Dieudonné. Yo mette le jodi à l'école municipale Galois, mais ça va arriver dans toute l'école municipale dans Port-au-Prince. Et pour montrer timoun yo côté yo capable de faire différents franges, mettre fatra yo, ça gen droit aller gen fatra qu'on est qui pap et n'da ka di quel que soit côté jeté là l'a toujours été, mais gagnen yo fait pour faire séparation fatra. Et yo vinn mettre poubelle yo jodi à tout avec promesse que magistrat te fait nous. Côté il était venu dans l'école la première fois, il était offert, il était pour mettre que là bas nous ventilateur parce que timoun yo toujours chaud, mais il portait pour nous ventilateur et 12 ventilateurs pour nous mettre dans salle yo, il portait poubelle et avec papier et pour nous capable encaisser fatra yo pour nous capable les fatra finir pour nous capable faire même pour nous pas ouais parce que fatra il y a des fatra qui timoun yo fait par exemple là au fin manger les timoun yo fin manger les gain reste dire yo là on cadre il fait bête.
mais qu'on y a vinn gen poubelle yo vinn mete yo gen chasse là dedans yo a tout marre yo et bien laisse ça li la fait environnement nous donc capable bon mais premier bagage li te parler nous c'est question environnement et nous te vinn ouais que environnement capable pour nous capable kembe environnement nous propre nous commencer en dans l'école yo ça veut dire comme nous gen par exemple dans nous au moins 5 à 6 000 timoun dans l'école communale qui est dans la commune nan. Si chaque timoun sa yo explique parents yo ça qui passé jodi à l'école municipale Calbois nous quoi n'a gagné 10 000 à même 15 000 parents qui prend conscience pour pas jeter fatra dans la rue. Et sous Bopa, la directrice de l'école municipale Calbois-Delan, Eunide Joseph Dauphin, remercie Mairie Port-au-Prince qui pensait à Timounio. Madame Dauphin, quoi, ventilateur Sayou, a aidé Timounio à respirer plus bien et puis à prendre dans plus bonnes conditions. En écoutant précision, directrice là, dans le micro Stéphanie Charles avec Lydie Dieudonné. Moi, trouvé que c'est un bel geste. Un geste côté que nous apprécions dans l'école là parce que il fait chaud si mon yo là aussi dans la classe là il a sué magistrat t'est venu là même dans direction moi même avec moyen nous t'ai essayé à son ventilateur il pas duré il pas fait en pile temps nous gain bibliothèque côté que les timon malade nous mettait le coucher. Chaleur a fait, si mon nom, c'est à un cahier pour faire un vent pour lui. Magistrat de Port-au-Prince s'est passé dans l'école là, ensemble avec PCM, qui toujours là, ils ont toujours mis ensemble, puis ils ont cherché ça qui est bon pour l'école là. Puis ils ont aidé l'école nous, marcher bien, belle, nous-mêmes qui là, pour nous faire belle, pour nous faire propre, avec ça, au bon nous, avec moyen, pas nous. Ventilateur yo qui vini an, nous content poubelle là nous content nous dit merci parce que ti moun nan kounya li pral respirer pi bien ou gen droit li fait moins désordre dans classe là parce que là yo choua yo fait désordre yo courir yo parler yo suer yo pas même qu'attendre sa professeur a dit d'après constatation magistrat a fait il était jugé bon pour porter matériel ça pour nous nous dit merci pour matériel li porter pour nous. Avec, nous dit, pas seulement magistrat de Port-au-Prince, toute instance qui avait, parce qu'il y a une pile instance qui avait, qui a aidé le chercher pour le joindre, ça qui est bon pour l'hypothé dans l'école, non. Nous dit, magistrat, avec tout staff là, merci en pile. L'ambassade Chine Taïwan dans le pays d'Haïti, lancée jeudi 8 novembre, exposition produit plusieurs compagnies Taïwan réalisées. Smartphone, tablette, ordinateur portable fait partie matériel qui gagne dans l'exposition ça, qui a fini samedi 10 novembre. Non. C'est une initiative qui prend un objectif pour Haïti et Taïwan renforcer les liens commerciaux avec les relations. Le Premier ministre Jean-Henri Séant est passé visiter l'exposition. Nous invitons à suivre un extrait dans le micro Naftala Denis avec Junior Avril. La République de Chine, Taïwan, figure respectivement parmi les 15 et 13 premiers pays les plus compétitifs au monde. Bien que ces indicateurs économiques globaux pour l'année de 2017 soient assez impressionnants et significatifs, le gouvernement taïwanais s'efforce toujours d'atteindre l'excellence en poursuivant la mise en œuvre de sa politique d'innovation industrielle. Cette exposition de produits a pour nous une grande signification au niveau du gouvernement, particulièrement au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, dont j'ai l'honneur de diriger les actions. Elle symbolise avant tout le renforcement et la dynamisation des relations haïtiano-taïwanaises, vieilles déjà de plusieurs décennies, 62 ans, n'est-ce pas ? Des relations qui ont toujours porté fruit à plusieurs niveaux et dans plusieurs domaines. On a passé encore une page commerciale, on a retourné à l'autre information.
N'a traversé l'autre bord de l'eau pour une fois qu'on est pour pipiti. 11 moun a perdu la vie ou dans une fusillade mercredi 7 novembre dans le pays États-Unis. Tragédie s'est arrivée dans un bar discothèque dans le sud de Californie, dans le pays États-Unis en suivant. 11 moun perdu la vie ou dans une fusillade dans la nuit mercredi 7 novembre dans le pays États-Unis, dans un bar musique dans le sud de Californie. La police parlait de 6 blessés tout. Individu ça a tiré pour pipiti 30 fois dans Barça qui était chargé moun pendant une soirée étudiante à dérouler. D'après autorité locale, hôtesse d'Akla perdit la ville. Incident ça a produit dans une localité Fresno Oaks et en banlieue résidentielle dans Los Angeles pour qu'on ait l'opération sécurité en main. Et c'est la journal en bout pour jeudi avant nous aller n'a rappelé au plus gros point yo premier ministre Jean-Henri Séan visité jeudi 8 novembre non conseil supérieur pouvoir judiciaire dans lequel il se retrouvait pendant visite ça chef gouvernement chita parlé avec membre CSPJO sous dossier Petro-Caribéa renforcement système judiciaire ministre économie et finance là Ronald Desambre démenti information qui t'a fait quoi il t'a annoncé l'état ici a monté prix gaz là dans jour yo cap venir sous marché. Santé Formation Maval Écoute lancé officiellement jeudi à Santé Formation ça a plusieurs lignes téléphoniques avec une ligne électronique qui pourra permettre ministère haïtien qui vivent dans pays étranger à recevoir doléances diaspora haïtien et puis satisfaire besoin yo. Ministère éducation nationale avec formation professionnelle dans tête collée avec Banque Caribéen Développement lancé jeudi 8 novembre dans projet KEP. Projet ça visé renforcer qualité éducation dans pays. Ministère affaires sociales et travail a annoncé un ensemble mesi pour renforcer différents programmes sociaux gouvernement dans intérêt population. Pour plus petit 11 moun a perdu la vie dans un fusillade hier soit mercredi 7 novembre dans une discothèque dans sud Californie non pays États-Unis. Merci tout le monde qui t'a suivi journal TNH pour aujourd'hui. Nous souhaitons passer une très bonne soirée, à bientôt.